OMI est une marque alimentaire engagée. Son objectif, faire de l'alimentation une solution pour préserver le vivant. On le sait tous, le changement climatique est une menace pour l'humanité. Ce qu'on dit moins, c'est que notre façon de nous nourrir a un impact immense sur les ressources naturelles, le climat et le vivant. Et oui, notre alimentation est responsable de 33% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi en partie à cause d'elle et des pesticides que 75% des insectes européens volants ont disparu en 30 ans. Sans parler de l'érosion des sols liée aux pratiques agricoles intensives. Alors je vous rassure, on ne va pas arrêter de manger. Mais si on change d'agriculture, on peut minimiser son impact négatif. Ça s'appelle l'agriculture régénérative, parce qu'elle a le pouvoir de régénérer les sols, les espèces vivantes et notre santé aussi. Quand on a découvert ça, ça a fait tilt. OMI était né et la mission régénération était lancée. On a commencé par chercher des producteurs locaux engagés. Des gens qui font pousser leurs plantes sans surexploiter les sols, qui respectent le vivant et le cycle de l'eau. Ces producteurs, on les a mis en lien avec nos fabricants. On obtient des centaines de produits délicieux disponibles sur l'application OMI. Vous l'avez compris, ensemble, on lance des filières locales, durables et résilientes, pour qu'on ne dépende ni des intrants chimiques, ni des importations pour manger. Pour que les agriculteurs qui nous font vivre puissent vivre de leur travail. Pour qu'on ait tous accès à une alimentation de la meilleure qualité, sans se ruiner ni ruiner la planète. OMI, c'est un mouvement pour l'avenir. Et pour aller plus loin, nous avons décidé d'ouvrir le capital de OMI aux clients, agriculteurs et transformateurs. Cette levée citoyenne se fait en complément d'une levée principale de 15 millions que nous venons d'annoncer. OMI, c'est une entreprise qui a décidé de travailler différemment, de travailler en collaboration avec ses agriculteurs, avec les transformateurs, pour fabriquer les produits qu'en tant que citoyens, nous avions vraiment envie de manger. Nous avons lancé OMI il y a 3 ans et nous commercialisons depuis 2021 à Gap. Rien qu'en 2022, nous avons fait 1 300 000 euros de chiffre d'affaires et une croissance de 196% par rapport à l'année 2021. Nous avons décidé d'ouvrir le capital à hauteur de 500 000 euros et vous pouvez investir à partir de 100 euros. Le plus important, ce n'est pas le montant que vous allez investir, c'est votre volonté de participer à notre aventure qui consiste à créer un modèle alimentaire plus simple, plus sobre, plus transparent, qu'on comprend vraiment. Rejoignez le mouvement et investissez dans l'alimentation de demain sur lita.co.